Et salut à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur la chaîne Otaku Fan. Aujourd'hui, on se penche sur le jeu A Short Hike, un jeu qui m'a encore une fois été offert par l'Epic Game Store. Et c'est un jeu vidéo d'aventure développé par Adam Robinson Yu et sorti en 2019 sur PC et sur Switch en 2020. Et donc du coup, nous allons faire cette petite découverte du jeu. Je vais faire une nouvelle partie parce que j'avais commencé à le faire toc. Pour éviter. Voilà, tac. Nouvelle partie, oui, continue. Voilà. Mais c'est marrant parce qu'au niveau bruitage, on se croirait presque sur et même au niveau chara design, on se croirait presque sur Animal Crossing. Allez, tiens, encore un peu. On n'est pas scoféri. Un jeu humble, hein. Voilà, donc à base de Marc Sparley. Et vous voyez, franchement, le jeu paye pas de mine, mais encore une fois, pour l'avoir testé, il est assez sympa. Il est vraiment assez sympa. Hey, comment ça va? Je ne t'ai pas eu de la journée. Tu étais occupé? Un peu. Enfin, pas vraiment. J'attendais juste un coup de fil. Eh bien, voilà ton problème. On ne capte pas le réseau ici. Attends. Quoi? Oui, enfin, je veux dire qu'on a presque pas de réseau. Tu devrais arriver à capter en haut de Hawk Peak. Oh oui, j'imagine, mais c'est assez loin, non? Ce n'est pas si loin. Tout le monde devrait y aller au moins une fois. Je pensais que tu y serais déjà allé. Oh oui, j'ai changé, mais juste que je n'y suis pas encore allé. Eh bien, c'est une journée idéale aujourd'hui. Prends le sentier de White Coast et va vers le nord au croisement. Et suis les panneaux jusqu'à Oak Peak. Tu trouveras sans problème. Ok. D'accord. Sentier de White Coast, chalet des Rangers. Claire! Dis, tu sais que tu peux planer dans les airs en maintenant appuyé quand tu cours? Bien sûr, tout le monde sait ça. Pourquoi tu me demandes ça? Je sais pas. Je me disais juste que ça pourrait t'intéresser. Ok. Et j'ai trouvé une pièce. Bon, c'est vrai que pour y avoir un petit peu testé, du coup, je sais plus ou moins. Non, il n'y a rien dedans. Enfin, je sais plus ou moins où est-ce qu'il faut aller. Donc c'est un peu plus facile pour faire la découverte. Hé, hey, toi, trouve-moi 15 coquillages, quoi. Pourquoi? Parce que je les veux. Oui, mais pourquoi? C'est un secret. Ah, d'accord. J'ouvrirai l'œil. Ouvre les deux yeux, s'il te plaît. Ok. Donc il me faut 15 coquillages. Oh, de la thune. Wouhou, je suis riche. Tiens. Hé hey Claire, comment ça se passe la journée? Ben, je sors tout juste de la maison là. Ah, il y a des jours comme ça. Ouais. J'ai passé la matinée perdue dans mes pensées. Tu dirais que tu te sens perdu et à la dérive? Peut-être. Eh bien, j'ai plus ce qu'il te faut. Tiens, prends ceci. Tu as trouvé une boussole. Pour l'utiliser, appuie sur Y pour ton inventaire. Puis sélectionne-la dans le menu des objets. Oh, merci. Ça me sera très utile. Bonne promenade. Boussole affichée. Ok. Mais merde, lui. J'ai deux bâtons. 17 pièces. 3 coquillages. Ah, plus que 12, hein.
Ah, attends, là, il y a quoi dedans? Ah, de la thune. Ah ouais, ça y est, ça je me rappelle. Il faut monter là. Un coup de vol. Et hop. Lui, je crois qu'il a une... Ah oui, lui, il veut pas. Eh mec, quoi de... Comme d'hab, posé sur la plage, à faire des châteaux de sable. Tu as l'air de bien t'amuser. Un peu, mon neveu. Je peux t'emprunter l'appel? Désolé, mais j'en ai besoin pour construire des châteaux de sable. Elle est pas un peu grande pour ça? Si, mais bon, c'est un peu le problème avec les pelles. On en trouve des plus petites, conçues exprès pour les châteaux de sable. Quoi? Je te crois pas. Mais si tu peux m'en montrer une, je serais ravi d'échanger. Bah écoute, t'inquiète. Ça, voilà. Ah oui, alors le truc, le club d'escalade, bonjour, je suis Cobrandi. Je fais de la randonnée jusqu'à Hawkpeak. Et pas ici cette rando. Tu sais, tu devrais apprendre l'escalade pour arriver au sommet. Tu devrais rejoindre notre club d'escalade. Oh, mais c'est juste pour vous deux. Vous deux. Hé! Hey, l'association des alpinistes a des centaines de membres dans plus de 5 pays. Des centaines de membres qui développent et perfectionnent l'art de l'escalade. Ils repoussent jusqu'au bout les limites de la discipline. Je voulais dire, est-ce que c'est juste vous deux, genre ici? Et alors, écoute, petite. L'escalade, c'est pas pour les poules mouillées. La plupart des gens a trop les chocottes. Ce n'est pas si terrible que ça. Bon, et sinon, tu fais rejoindre le club d'escalade? Bah, avec plaisir. Allez, super, on a notre troisième membre. Pas le troisième, juste un de plus parmi des centaines à travers le monde. Bon, ça, bon, ça va. Et sinon, commence par le commencement. Tu as une plume d'or? Pas encore. Ah, impossible de grimper sans plume. Mais tu peux en acheter à l'accueil du port. Elle ne coûte pas très cher. On revient me voir quand on aura acheté une. Ouais. Ah oui, non, je crois que vous allez plus loin. Je récupère une pelle. J'ai entendu des rumeurs. Tu t'y connais en rumeurs? Je me débrouille. Ah, alors écoute. Jim s'est acheté un détecteur de métaux. Hier, il courait un peu partout à la recherche de trucs plantés dans l'île, sur l'île. Il perdait un peu la boule. Apparemment, il y aurait plein de trucs enterrés partout sur l'île. Quel genre de trucs? Je sais pas. Des trucs en métal. Ok, donc en fait, il faut que je récupère, à mon avis, le détecteur de métaux. À tous les coups. Je vois le truc gros comme une maison. La thune. Salut, que puis-je pour toi? On m'a dit que vous vendez des plumes d'or ici. Ah, effectivement, je peux t'en vendre pour une pour 40 pièces. Je la prends, pas si, et voilà. Et je suis ruiné, tout va bien. Je vais t'expliquer comment elle fonctionne. Si tu appuies sur A dans les airs, tu peux battre des ailes pour faire un double saut. Mais ce n'est pas tout. Pour escalader une paroi, appuie-toi contre elle et maintiens A appuyé. Plus tard, tu auras plus tu auras de plumes d'or et plus tu pourras grimper et voler. Amuse-toi bien. Code 9, pas grand chose. Ah zut, je m'en ai pas assez. Très bien. Ah, pour l'instant, ok. Si j'ai mon film coquillage, ça c'est quoi? Accueil du parc, sortie de pique. Plage 1, ouais, sauf que je sais que logiquement, je suis censé avoir un... L'appel. Punaise, où est-ce qu'elle est cette foutue? Ah, oh, punaise, je suis de nouveau riche. Tu as une plume d'or? Ouais, super. Donc, pour commencer, tu peux essayer de grimper sur ce petit mur-là. Il suffit de t'appuyer hein, et de maintenir à appuyer. Beau travail, mais bien sûr, ce mur est facile à escalader. Les vrais pros montent sur les grands murs. Devras peut-être sauter depuis la plateforme. Ah là là, l'abruti! Mais ah, mais. Ouah, tu grimpes bien, ouais, c'était pas mal. Bon, je sais que tu peux voler et tout, mais ton endurance durera pas plus longtemps si tu grimpes au lieu de voler. Garde ça en tête. Cool. On fait quoi maintenant?
On va scaler au pic. Ah, ok. Il faut encore que je m'échauffe. Mais on se retrouve le plus haut. Entre là-haut. D'accord. Par contre, j'ai toujours pas sa pelle à l'autre débile là. Mais je sais que j'en ai vu une, je sais plus où. Je pensais monter jusqu'au sommet de Hawk Peak, mais le chemin est devenu super escarpé d'un coup. Tu crois que c'est possible de l'escalader? Eh bien, ça serait possible si j'avais une plume d'or. Apparemment, ils en vendent à la veille du parc. Rien, sentier de Hawk Peak, accueilli par sentier de White Coast. Hey, toi, oh, l'étoile lapin crétin. Salut, salut. Est-ce que ça va? Pas vraiment. Je suis censé courir un marathon aujourd'hui, mais j'ai perdu mon bâton, mon bandeau porte-bonheur. Je vais les porter à toutes les courses que j'ai disputées. Je ne sais pas si je pourrais le croissant. Où est-ce que tu l'as perdu? Quelque part dans la forêt de Blackwood. Je crois. Je pourrais aller voir pour toi. Sérieux? Tu ferais ça pour moi? Bien sûr. C'est un bandeau rouge. Je pourrais te donner une récompense. Je pourrais te donner une paire de chaussures de course. Mais toi, t'en auras pas besoin. En fait, je suis sponsorisé pour cette marque de chaussures. Ils m'ont donné genre 10 paires. Waouh! Félicitations! Oh, ah, merci. Mais bon, dis-le-moi si tu vois un bandeau rouge. Ouais, ok. Ah, une pelle à sable. Nickel. Mais je me demande s'il est pas procédural le jeu parce que je me rappelle pas l'avoir trouvé à cet endroit-là. Bon, il est où l'autre débile là? Non, mais là, je suis en train de retourner dans l'autre sens, c'est pas bon. Lui, c'est les coquillages, sauf que j'en ai pas. Bon, il est où l'autre là? Avec ses bateaux de sable. Ah, il est là. Nickel. Eh, regarde un peu la pelle que tu trouvais. Elle devrait être à ta taille, plus à ta taille. Oh, c'est parfait! On échange! Bah, clairement. Quand tu veux utiliser ma pelle, appuie sur Y pour avoir un appui équipe là à la prochaine. Bah, écoute, ouais, bah, clairement. Équipé. Ouais, je peux faire des trous! Mais bon, il lui manque une pelle donc il n'a rien pu déterrer. Oui, mais moi j'ai une pelle donc. Il va y avoir un matériau autour de l'arc du cratère aujourd'hui. La concurrence est rude cette année. Hey, qu'est-ce que tu te fais? Oh, ça ne se voit pas. C'est censé être la littérale, mais je me sers un style plus abstrait. Ah, je crois que je le vois. Je suis loin de l'avoir fini, mais je ne sais pas si j'aime la tournure que ça prend. Je pense que je vais aller au phare de Blackwood. Je cherche encore la bonne inspiration. Ok. Moi, bon, peut-être quand je pourrais sauter plus haut. Donc, j'ai cette coquillage. De la thune. Coquillage. Là encore de la thune. Bon, je vais essayer d'avancer un tout petit peu, puis bon, bah, j'arrêterai la vidéo.
pour pas non plus trop dévoiler du jeu. Ouais, c'est bien ce qui me semblait, c'était peut-être pas accès dans ce truc-là qu'il fallait. D'accord. Ok. Bon, nous allons nous arrêter là pour cette découverte. Pas besoin d'aller plus. Je pense que vous avez compris comment fonctionnait le jeu. Pas be donc c'est un jeu, moi, je trouve assez sympa à jouer. Relaxant. Pas prise de tête. Voilà, c'est vraiment un jeu assez sympa à jouer que je vous conseille. Si vous avez la Switch, c'est un jeu qui peut être aussi sympa sur la Switch. Donc voilà, nous allons nous arrêter là. Pour celles et ceux qui ne seraient pas encore abonnés et qui apprécieraient le contenu de la chaîne, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour avoir les notifications pour les prochaines vidéos. Et je vous invite tous à liker et commenter la vidéo si ce n'est déjà fait. Et voilà, et pour celles et ceux qui auraient regardé la vidéo jusqu'au bout, vous êtes les meilleurs. Voilà. Sur ce, je vous souhaite plein de bonnes choses. Amusez-vous bien, portez-vous bien, prenez soin de vous et de votre famille. N'oubliez pas votre Mac, restez chez vous et on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez-vous!